Salut à tous et à toutes les copines et les copains, c'est Kimiki, votre bœuf préféré. On dirait que je fais des vidéos sur ma chaîne principale, les gars, j'espère... Aïe, aïe, le ventilateur, il m'a fait mal, ouais. Les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Kimiki, votre frérot, votre bœuf préféré. Aujourd'hui, les gars, à ce qui paraît, les magasins ont commencé à mettre, ces petits saltimbanques, du Pokémon Go. Du coup, les gars, on va aller chercher aujourd'hui, est-ce qu'on va aller chercher du Pokémon Go, est-ce qu'on va trouver du Pokémon Go dans les magasins. Et dans cette vidéo, les gars, je vous fais gagner un Dracaufeu obscur de Team Rocket. Du coup, j'étais obligé. Hein. Franchement, la carte, elle est magnifique, les gars. En plus, c'est dans le thème avec notre événement qu'on a fait. Donc, pour essayer de tenter de le remporter, t'as juste à t'abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit like, un petit commentaire. Et du coup, bah, les gars, on va pas perdre de temps. Je vais aller manger un petit truc, boire un petit truc. Et on est parti, les gars. On va faire les magasins. On va faire les nouveaux magasins, voir un petit peu ce qu'il y a. Et on espère trouver du Pokémon Go. Sachez que moi, les gars, bah, je suis vendeur pro sur ma boutique cario.fr. Si vous avez envie de faire des petits achats et de mettre bien votre bœuf préféré, hein, vous allez sur ma boutique. Et nous, en tout cas, on les reçoit pas tout de suite, hein. Normalement, on a le droit de les vendre qu'à partir du 1er. Donc on va voir s'il y a des petits saltimbanques qui ne respectent pas les règles chez les Carrefour. Bon, s'il y en a, tant mieux. Bon les gars, je suis avec Mister comme d'habitude. On est parti, on va faire des centres qu'on n'avait jamais fait. Et aussi les refs, vous savez, j'ai plus internet en ce moment. Ouais, il y a un mec qui a coupé mon câble. Et ça marche pas. Là le truc là, ZTE, je sais pas quoi là, avec SFR. Du coup je vais les voir, je vais leur dire ouais de me changer ça. Et sûrement les gars que le live de cette semaine, je vais devoir le faire au local qu'on avait pris pour l'événement. Donc voilà, il y a des solutions à tout, mais ça me casse la tête les gars, je ne peux pas travailler. Hein, moi je fais beaucoup de vidéos les frères, là. Il faut me laisser bosser. Bon allez on y va, je vais leur dire ça, je vais dire faut que je bosse. ouais bosser ouais. Ok, bon les gars, on est dans mon centre commercial, c'est ici que j'ai travaillé à l'époque. Voilà, gars, il y a une époque que je travaillais ici. Je me suis même entraîné ici. Hein. J'ai préparé des compétitions ici, les gars. Donc, c'est des souvenirs. Je vais vous montrer mon ancien jeu au club. J'espère qu'ils auront des cartes Pokémon. Bon, direction SFR. Et après, on va chasser du Pokémon. Ah. Il n'y a jamais personne, par contre, dans ce centre. Ça, c'est cool aussi. Sans doute, je la Hesse, les gars. Vous les connaissez bien. Ils nous ont toujours aidés. Bon, allez, on va chercher du Pokémon. Alors, Jurassic Park, c'est encore la mode, ce truc. Ça c'est tout ce qui est oui. Je pense que ça devrait être vers là. Je sais pas ça donne quoi ces petits comics. Je suis content de voir que Beyblade ça marche toujours. Ah, il y a du Pokémon là. Ouais, ça a du mal à se vendre j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a que ça. Hein. Pour regarder le rayon les gars, mais s'il y avait que des classeurs avec un booster Astro Radieux, c'est terrible. Même des tripacks, il n'y en a pas. Oh, c'est quoi ça? Les gars, j'ai tous les tomes de Naruto. Voilà, n'oubliez surtout pas. Ouais, je vais pas le ranger parce que je sais pas c'est où. Ouais. C'est pas contre les vendeurs, les gars. Attendez, si je trouve, je vais le ranger. Je suis pas un mec pas sympa. Fortnite ou le Babaji? Ça m'a pas l'air terrible. Hein. Je peux vous acheter des baguettes, les gars, si vous avez envie. Ah, est-ce que la Naruto? Ah ouais, toi, t'as un genre de Steve, toi. Les amis de Smash. Moi, j'ai celle-là, moi. Et je la trouve plus. Mais tu sais, c'est grave mieux pour jouer. Hein. Mais ils ont pas la GameCube. Les amis, à chaque vidéo, je vous le dirai, achetez ça. Je vous jure, je fais ma propagande, je vous jure, c'était bien. N'hésitez pas à acheter, franchement, vous allez kiffer. Les gars, c'est bon, j'ai trouvé les cartes Pokémon. Il y avait des cartes dedans? Ah, mais c'est des cartes Panini. Attends, viens, s'il n'y a pas des cartes de foot. Les gars, les cartes de foot, c'est l'avenir, les gars. Je vous le dis, on fera des vidéos bientôt. Est-ce que ça partirait pas sur un opening foot? Est-ce que Cristiano Ronaldo souille? J'ai un petit opening foot là. Il y a One Piece qui sort en TCG. Je me tâte à peut-être ouvrir quelques boîtes. Donc dites-moi si ça vous intéresserait sur la chaîne YouTube. Ça peut être cool, hein, ça change un peu. Allez, les gars, ce Auchan, franchement, il est vide. Il n'y a rien. Genre, je cherchais un rayon jouet. Bah, c'était ça en fait. Du coup, bah, les gars, ils ont que un classeur et Astro Radieux. C'est parti pour aller faire la salade. On mange pas une salade sans salade. Hein, ça a l'air bon, les gars. On va pas abuser parce que plus les grammes y montent, plus c'est cher. Ah là c'est bien. Non les gars faut pas rigoler sur ça. Voilà comment on remplit une salade les gars. Sinon c'est au gramme. C'est le moment de savoir est-ce que je vais me faire couiller ou pas. Non ça va en vrai. Quoi? Comment ça 8,92€? Franchement c'est bon. Juste je me suis fait avoir quoi. C'est cher. Je me suis bien fait avoir. Allez les gars. Vous en avez pris pas mal là dans ce Micromania. Je vais voir, faut prendre peut-être un petit booster Evolution Céleste. T'as dit quoi? Non, non, toi, mange, mange. T'es mangé. Après alors. On est en train de galérer avec des donuts, les gars. Je demande de marcher avec.
Eh les gars, je lui ai demandé le prix de la display, il m'a dit 250 balles. En fait, ils vendent 7 euros le booster et ils multiplient. Vas-y. Allez. Voilà les gars. Déjà que je mange n'importe quoi, il me fait manger encore plus n'importe quoi. Ah. Sinon les gars, bah c'est trop cher. J'aurais bien voulu vous prendre une display évolution céleste pour vous et vous la faire gagner. Mais bon, j'ai juste à commander chez le fournisseur les gars et franchement je la touche à un prix ridicule. 250 balles, c'est un peu abusé. Allez les gars, on va faire cette boutique, City Manga. Ça a l'air vraiment cool. En tout cas, ceux qui veulent du Pokémon chez Micromania, il y en a. Et bon, achetez chez moi. C'est les maquettes ça. Oui. Je crois que je vais en prendre une pour Rémi. Hein. Oui. Rémi kiffe les maquettes. Ah ouais. Ouais, les Gundam et tout. Oh, la pop Yu-Gi-Muto. Il y a des pop Yu-Gi-Oh les gars, dinguerie. C'est long en fait. Ouais, c'est grave long. Et en plus, si tu te rates, ta figurine elle est morte. Elles sont pas belles. Ah non, elles sont dégueulasses. C'est horrible. Ça, c'est des figures. C'est pas des maquettes. Ils en ont fait combien des Goku Migaté? Ils ont abusé là. Bon, c'est Yu-Gi-Oh qui domine le format. Ah, ils vendent des game mats comme ça. T'as jamais joué toi Yu-Gi-Oh? Bon les gars, pour l'instant la pioche elle est pas fofolle. Il y a des produits qui sont déjà sortis. Notamment les nouvelles Pokébox que j'ai vues. Je les reçois bientôt, je vous fais bientôt une ouverture d'ailleurs de ça. Mais pour l'instant, pas grand chose. On va se diriger là où je travaillais, les gars. Ouais, j'ai travaillé un an, les gars, en tant que vendeur chez. À l'époque, c'était pas King Jouet, c'était Jouet Club. Et là, ça a été rebrandé par King Jouet, ça a été racheté par King Jouet. Donc voilà, vous allez voir le magasin où je travaillais à l'époque. C'était ici. Et les gars, en fait, ce qui était trop bien, c'est que juste à côté, là, il y a un fitness park. Voilà, regardez. Et ici, il y a un fitness park. Ça fait, les gars, moi, je sortais d'ici, bam, direct fitness park. Eh, hey, mais ça, ils ont fait importer, hein. C'était comme ça, le format des Jap. Les gars, moi à l'époque, je travaillais ici, il y a 3-4 ans. Non, il y a... Je suis un ouf. Non, ça fait 5-6 ans. Ouais, ça fait 6 ans, les gars. Ouais, 6 ans, les gars, déjà. Et en fait, ici, avant, c'était le rayon jouet garçon. Et il y avait tout géré, tout ça. Et après, j'ai repris mes études et j'ai fait une licence d'économie qui m'a permis de manger des burgers et d'ouvrir des cartes Pokémon. Voilà. C'est mon parcours. En fait, j'ai fait du foreshadowing, gros. Jouer garçon et aujourd'hui, je fais la même chose. Hein. Bon. C'est catastrophique, on va dans un autre centre commercial les gars, il n'y a vraiment rien ici. Bon les gars, direction un autre centre commercial. Ouais, parce que là, vas-y. Il n'y a que Micromania qui avait des trucs bien et c'était trop cher. Donc vas-y, on va voir, peut-être on va trouver enfin du Pokémon Go. Ok les gars, nouveau centre commercial. Bon, essayez de deviner c'est lequel. Bon, si vous connaissez le coin, c'est sûr vous allez deviner c'est quoi. On commence les gars, direct par la Fnac. Ouais, des fois la Fnac il y a des trucs bien là, souvent des ETB et tout. Donc peut-être qu'on va trouver du Pokémon Go. Allez les gars, c'est parti. Alors des fois, les gars, souvent c'est à la caisse. Donc on va regarder si on a quelque chose. Ah tu vois, il y a un peu de Poké, je crois. Il y a des cartes ici. Aïe 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 aïe. Là c'est du Yu-Gi-Oh. Pokémon, il y a ça. C'est quoi ça? Magic, Animal Crossing, Magic. Bon, on va voir sur le rayon directement, je pense. Je m'en souviens avec ça. Bon, les gars, on a trouvé ça. Sauf que ils l'ont mis, les gars, à 50 balles. C'est abusé. Ah, par contre, les gars, ça, c'est une bonne affaire hein, pour ceux qui veulent aller à la Fnac. 29 balles, c'est vraiment pas cher. Ça se vend 35, les gars, sur le marché. Et c'est vraiment, vraiment pas cher. Je trouve, voilà, pour 30 balles, les gars, ça, c'est une bonne affaire. C'est une super valisette. Bon, les gars, mon dernier espoir, là, quand même, ça reste Carrefour. Il y a beaucoup de valisettes, il y a beaucoup de trucs sympas. Mais j'ai pas encore trouvé vraiment un banger qui m'attire, quoi. Alors, je sais pas, j'ai l'impression que le rayon, il a changé. J'espère qu'on va trouver du Pokémon. Ça me fait un peu peur. Ah! Ah ouais, c'est pas aujourd'hui les gars qu'on va trouver un truc style, j'ai l'impression. Encore du Astro Radieux. Bah, si vous avez envie d'ouvrir du Astro Radieux, ça se trouve encore. Hein. Bon.
pas grand chose, mais ok. Bon, Carrefour, les gars, c'est vraiment voilà. Je me rends compte à quel point il y a beaucoup d'items sur Pokémon que tu peux pas avoir hein, aussi facilement. Genre, moi avant, je me disais c'était facile, mais pas vraiment. Genre, les ETB par exemple, bah, c'est pas un truc qui est super facile à avoir. Hein. Alors que sur internet, je veux dire, vous pouvez en trouver. Moi-même d'ailleurs, sur mon site, il reste des ETB. Donc, c'est assez bizarre, mais c'est vrai que pour les parents, trouver des ETB, j'ai pas l'impression que c'est quelque chose de très simple. Bon, les frérots, là, on dirige directement vers Pickwick. Bon, Pickwick, les gars, souvent, c'est les prix abusés depuis le début de la hype, ils sont devenus fous. Genre, vraiment, ils sont devenus fous. Du coup, bon, bah. On va voir ça, on a aussi album, et j'espère que ça va bien se passer. Bientôt on ouvre la boutique gros, bientôt. Un petit cariou là, t'as vu, à la place de Kiabi, on met cariou. Voilà, tu vois genre, et toute la superface. Par contre, on devra vendre un peu de tout. Il y aura des haltères, il y aura un peu de cartes Pokémon, un peu de remise en forme, il y aura un peu de tout. Bon, Pikouioui, on va voir un peu ce qui se cache derrière ce sourire. Eh ben, c'est pas fameux. C'est pas fameux du tout. Par contre, hein, du Yu-Gi-Oh, les gars, franchement, je crois que je vais en acheter un. Pour ouvrir, c'est pas mal. Parce que je vais pas commander une quantité pour ça. Aïe, 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 c'est terrible. Au final, le lot de centre commercial était meilleur, les gars. Bon, attends, on va regarder dans les rayons cachés. Il y a des rayons cachés ici, toujours. Est-ce que je vous ai déjà dit, les gars, d'acheter ça? Est-ce que je vous ai déjà dit? Ici, il y a du Pokémon, les gars. Eh ben, c'est pas fameux. C'est pas fameux tout ça, les frères. C'est vraiment pas fameux. Bon, Pickwick Toys. C'est pas la fête, hein. On n'a pas trouvé une ETB, les gars. Et pourtant, les gars, on est au moins à la 6e ou 7e boutique. Hein. Eh ben, heureusement qu'il y a mon site internet pour acheter des cartes. Ici. Les gars, ici, j'ai passé toute mon enfance dans cette boutique. Vive Album. D'ailleurs, souvent, si vous avez des trucs à m'acheter en cadeau, c'est ici qu'il faut aller. Elles ont des figurines de fou et souvent elles ont des jolis items Pokémon. Regardez les frères. Ils ont plein de petites figurines. Des trucs pop et tout. On va voir si ils ont du Pokémon. Bon les gars, franchement, un petit peu déçu. Je pensais que j'allais pouvoir trouver. Comme je disais les gars, si vous avez envie de trouver du Pokémon Go, essayez peut-être les Leclerc jouer, les petits Carrefour aussi. Mais tout ce qui est tabac, Micromania et tout, ils vont respecter la date. Merci pour la musique chef. Mais ouais, un peu compliqué. Attendez peut-être le 1er juillet, ça va commencer à sortir. Et puis sinon, les valisettes à la Fnac, les gars, si vous en trouvez, franchement, prenez-les. 30 balles, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Bon les gars, désolé, je suis au local là, vu que j'ai pas internet, je travaille depuis ici. C'était pas vraiment fameux, hein. Pokémon Go, très compliqué à trouver. Il y a des Leclerc jouets qui en vendent avec du Destiné Radieuse, donc n'hésitez surtout pas à regarder. On a eu un réassort les gars, tous les vendeurs pro de Destiné Radieuse et Pokémon Go commence à arriver. Moi je les reçois dans quelques jours, on fera une ouverture ici. Mais en tout cas c'est compliqué, mais je sais qu'il y en a, hein. Il y en a plein sur mon Discord, etc. Bon moi malheureusement j'ai pas trouvé, mais au moins j'essaie de vous donner des infos malgré ces titres un petit peu mensongers. Oui les gars, c'est comme ça avec Kiki. Mais n'oubliez pas les gars qu'il y a un Dracofeu à gagner dans cette vidéo. T'es juste à t'abonner à cette chaîne YouTube. Merci à vous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sans aucun contenu. Désolé, ma caméra elle était sale pendant la vidéo, j'avais même pas vu. Donc il y avait un peu de tâches et tout, mais bon, désolé. Allez, des bisous, on se retrouve demain.